Salutations, chers internautes. Je dis bonjour à vous tous qui me suivez partout dans le monde entier. Ah oui, je crois qu'on a toujours dit derrière l'homme fort, il y a une femme forte. Laissez-moi vous dire que j'ajouterai que derrière l'homme fort, il y a aussi une poignée forte. Il y a Batu, Oyo, Basalakake, Mutu Azala, très fort. Ce qui est omoni pasteur, un grand vraiment ingrat, c'est très bien. Je ne dis pas ingrat de l'ingratitude, mais je dis un grand, il y a mon aîné, la grandeur. Il y a un collaborateur fort. Grandeur, la grandeur d'un leader dépend aussi de la grandeur de ses collaborateurs. La grandeur d'un leader dépend de la grandeur aussi du mérite de ses collaborateurs. Quand on a des faux, des mauvais collaborateurs, c'est difficile d'être grand. Très difficile. Parce qu'on s'est fait entourer des gens sans tête. Des gens qui ont des têtes bien pleines. Au lieu d'avoir des gens qui ont des têtes bien faites. Aujourd'hui, nous disons tous Fatih Béton, parce qu'il a réalisé des choses qui nous ont plu. Nous jetons des fleurs à Fatih parce que nos yeux ont vu ces nombreuses réalisations. Je suis parmi les gens qui font la visibilité. Je suis parmi les gens, nous, qui faisons la visibilité des œuvres du chef de l'État. Mais je passe, non pour vanter les mérites de Fatih, je l'ai toujours fait. Mais aujourd'hui, je vais vanter les mérites des vrais warriors qui entourent Fatih. Des vrais warriors qui font la force de Fatih. Si aujourd'hui il y a un pasteur grand, des renommés, il y a mon aîné. Tu dois savoir qu'il a des collaborateurs aussi grands, qu'il a des collaborateurs puissants, il a des collaborateurs au Yobana connaissance. Ah oui, bravo. Entourage à Mokonzi, trop critiqué par Inabato, mais quelque part, il y a pas que Fatih s'est fait aussi entourer dans le bateau de Mayele Makasi. Dans le monde, prochainement, peut-être dans le monde, une deuxième ou troisième personne avec le temps. Je parlais d'un certain Serge Tshibang. De tous ceux qui ont entouré Fatih, les deux meilleurs, parmi les deux meilleurs, je citerai Serge Tshibang, que j'ai connu il y a très longtemps, il y a vraiment longtemps, on a yébaillé. Serge Tshibang, la diplomatie à Fatih est réussie à 100%. Grâce aux efforts conjugués par cet homme que vous voyez, Serge Tshibang. Serge Tshibang, c'est un homme qui a évolué ma casse dans ma relation. Ané na bosani, mais Azamutu Oyo, Ayeba na ba président ibele ya monde, pas seulement Afrique, mais ya monde, Nakala, unga na Ayeba kaye. J'ai assisté une fois à Johannesburg, na conférence, moko ya mon néné, où il réunissait qui, ma tête, vraiment ma tête. Je souligne la présence, il y a ambassadeur américain, il y a Afrique du Sud, ambassadeur américain, il était présent. Ancien président, il y a Kenya ou Botswana, j'ai oublié, Azala qui est présent. Et c'était la première fois dans ma vie, dans la émission, dans l'autorité, il y a Rangwana. La première fois dans ma vie. Wana Fatina, je pouvoir te Kala. Ambassadeur américain. Ancien président. Son rival, Nazoba trophée 6 ou 7 fois, il y a meilleur journaliste d'Afrique du Sud. Grâce aussi à mes missions, Nassalaki, sur le plan musical, Nassalé, mes missions, Naba Grand, et ça a été un plan fixé, sur tel plan, sur tel autre plan, mais sur le plan politique. Et mission Nassalé, na président, na ancien président, et puis na ambassadeur américain, et Meke Kotombola, audience Makasi à son rival, et ma mécène, Congolais, Afrique, Sibasangana, qui m'a payé un trophée. Il y
Les meilleurs journalistes, c'est Afrique australe. Ah oui. Naïbanaki, Nazoki, Paswana et pas Serge Tibam. Cet homme, Nabouye Yafati en Afrique du Sud, tant qu'on a Monika, parce que moi j'étais chargé de presse, il y a président Félix Tshisekedi. L'Afrique australe, Afrique, dans une bonne partie d'Afrique, c'est moi qui communiquais pour Fati, c'est moi qui faisais l'office, il y a journaliste, il y a Fati, c'est moi qui faisais la presse, il y a Fati. Moutounios au Fati, avec Oyamba, au pasteur, au politicien, moi j'étais là sur place pour na, soit qu'on ait image ou autre chose. Demandez à Claude Balanqui, demandez à Serge Tshibangu. Alors, j'ai vu Tshibangu, le professeur Tshibangu, tenir une grande conférence où il réunissait Batou et Bélé. Dans l'université de l'Afrique du Sud, il y a VET. Dans le prof Tshibangu, il y a quelques Congolais qui sont là. Les Congolais sont là, il est très logique. Ato memeli mbongo. En tout cas, à Zouakate. Même pour à faciliter les tâches, boye, na ba point. Il est vraiment honnête. Il y a la ksakaye nani. Critique n'a pas salé à moi. C'est pour vous dire qu'à côté de Fati, il y a des gens qui ont des mains propres. À côté de Fati, il y a des gens qui ont des mains propres. Ils sont à côté de Fati. Le quoi va Serge Tshibangu. Depuis, Fati a pouvoir. Serge Tshibangu a toujours été à côté de Fati. Oyokaye wapi. Aïba nini. A détourna nini. A siba. Ah non. Bravo à cet homme. Bravo, bravo, bravo. Ce qui m'a salé le quoi malam, bête la yé maboko. Ou qui batou, ou ba sala ma kamame, ba yoka soni. Batou ba tchaka batou ba kal. Parce que vous êtes incompétent. Aïbi qui moutou soit côté na Fati. Nga la zasusute. Vi compétence na ye. Alors batabongo ba yo ka soni. Serge Tshibangu est très compétent. Na bagage intellectuel, très compétent. Na ba relation diplomatique, très compétent. Na honnêteté intellectuelle, ya ye moko ne e grandi. Ah mais non, cet homme, Serge Tshibangu. Bande komo tchaye ka apartel le lo, so ki o tchaye ka te tchaye ka apartel le lo. Joua vidéo, o tchine na président Félix Antoine Tshisekedi. Atala, Abona, ceux qui sont rivales, tenter de mentir où il dit la vérité. Il connaît ces gens. Il connaît ces hommes. Il connaît la force de ces hommes. Je vous dis que le président Fati n'est pas entouré seulement d'un bateau, mais d'un jouisseur. Non. Au moment de Serge Tshibangu, on a bassé ce wapi. Au moment de Serge Tshibangu, on a légèreté wapi. Au moment de Serge Tshibangu, on a quoi nini na kistasa awa, moite de nuit ou tel. Un homme très discipliné. Il a aidé vraiment président Fati. Parce que président Fati, Lelo Oyo, a déboulonné Kagame. Président Fati a déboulonné Kabila. Président Fati a déboulonné FCC. Mais allez-y comprendre qui était derrière lui pour le soutenir, pour lui donner des idées. Qui était derrière lui? Vous croyez que le discours de la Mobutu, dans les Nations Unies, au Mokili et Ganga, discours à Mobutu, au Gangisa Mokili dans les Nations Unies. Mobutu a simaki stylo, a simi stylo, a du papier, a badi kokoma, 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 a discours. A tangisa européen moutouté, a kemba la moko dans les Nations Unies, a rappelé ce discours. Non, il y a des héros dans l'ombre qui les font des fois. C'est pourquoi vous voyez des fois un message. Je suppose qu'il faut que tu mingi mingi vraiment te yakotang agana papier. Lui, c'est la tête, la tête. On a un président béton. Mais quand il dit ce qu'il dit là, la moutounaye, mais sachez aussi que dans l'ombre, il y a eu aussi des gens qui l'ont conseillé à dire ce qu'il dit. Batoukoba Serge Tshibangu. Une tête, je vous dis. Au moins, il y a place où on a un président Kenya. Avant que Fati soit président. Au moins, il y a un président Bélé avant que Fati soit président. Tellement que, à Souna Fati, comme on a président 1, comme on a président 2, comme on a président 3, comme on a président 4, on a Fati à la présidenté.
Ce n'est pas un signe de reconnaissance que Fatia Zuya Tchewana, mais par sa compétence, Fatia Zuya Tchewana. Et Moussala Mezomonana, Ezomonana Misu, Serge Tchibang, un homme costaud, né Kaza costaud, né Mayilina, et cerveau de Pesa costaud, Mama Kamouné Pesa costaud. A Kangami, na Fati, Fatia Kangami, na Fatia komi costaud. Président ya Union africaine. Fatia komi costaud. Président ya tel. A komi costaud. Président ya UDPS à l'époque. Il faut s'attacher na bateau, ba, ba na tête. Ba ou sungayo. Toi qui as toujours eu un entourage, ya bateau, ba me mako kaka na ba, na ba légèreté, bateau, ba me mako kaka na ba, na ba nganda, bateau, ba me mako kaka na ba, na 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 bandal c'est Paris, eh, ko ko mena ka ba masanga, bateau, ba me mako kaka na ba fille, ko linga oyo te, ah, wana danse, ah, te petit mou, asa na bandal, donc wana so mouni, donc entourage na yo, ya mwana ya batu, ya lo lenge wana. Oui, ma mongo ya pays, oui, bi mongo ya moka, pour aussi les saillants, on a pas juste. Je suis dans le casal. Je suis dans le Brésil, dans l'Internet. Il y a des commissionnaires. Autant de l'obassi boyer, au pourni. Et moi, si il y a moins de 2000 dollars à Zaté. À Zaté. Je suis dans le patron, dans le costume. Je suis recommandé Bassi dans le Brésil. Aïe. Tellement mongo, et les kémingi, t'as là, gaspillage inutile pendant que le petit peuple souffre. Bravo Fati pour avoir fait choix à madame le coup Serge Tshibang. Alors Serge Tshibang, Pemenia Fati, ce m'a commis 10. 10 Pemenia Fati. Ah, Zambalo là. Matata. Isa Matata. On n'a pas besoin des gens Oyo. Bazo Lukaba Bimisaka, Fati Mongo, pour Bango ba bénéficier. Non, mais si tu m'as à côté de Fati, Azo Sunga Fati pour le peuple congolais sepela, puis pour la Congo Kendeli Boso. Et non pour l'intérêt à Bimisa Fati Mongo, à créer ma COP, à Bimisa Fati Mongo pour y a sepela. Fati Kap, Kaboulou. Ils ont intérêt à peuple ou pas? On ne sait pas. Kozongi sa makbale na makolo ya makongole. Compétition, parce que compétition, c'est là qui se soutient. Bravo. Très bien. On n'a pas besoin des gens là, la mouka raisonner. Il faut nan même la Fati. Na diembelité, na diembelité, na diembelité. A ce moment, on a la diembelité à même les Fati. Il y a donc tu es à côté des Fati. Juste quand on a ma idée, moko, on a besoin des gens comme des Serge Tshibang. En infrastructure, on a besoin des gens comme des Serge Tshibang. Dans la diplomatie, on a besoin des gens comme des Serge Tshibang. Dans l'économie, on a besoin des gens comme des Serge Tshibang. Dans le domaine Nyonso. Non, minimiser Batouté. Mais quand je dis Serge Tshibang, il ne fait pas les touches à tout, c'est-à-dire les gens qui ont la discipline, la compétence, l'honnêteté de Serge Tshibang. C'est un véritable thème qui s'est dit. T'as là ma photo, ma nombreuse sortie naïe, diplomatique. Les Lokadama, les gens disaient quoi? Oh, Fatia Tekimboka, Fatia Tekimboka, Fatia Tekimboka. Mais Kagame a sali sortie médiatique na ye pour na ko réclamer ma belle à Congo. Toyoki Yango. Les opposants ont dit quoi? Ils ont fait sourd d'oreille. Les opposants ont dit quoi? Olivier Kamitato a posté na ye, anniversaire na ye. Et ça n'est pas si mingi, hein? Les opposants ont dit quoi? Kagame a perdu la vitesse. Kagame a perdu la raison. Kagame a perdu la tête. Allez-y comprendre. Et grâce à Fati. Et derrière Fati, il y a Serge Tshibang. Na vie na yo zala na batulo ko ba Serge Tshibang. Oke de liboso. Mais voilà, pour terminer, je dis merci à vous tous qui avez prêté attention à cette tranche. Prochainement, je parlerai d'une autre tête.
Et c'est comme ça qu'on va aller mollo mollo pour na côté Sabino ba vrai warrior ni ba côté Fatié et batonga na tanga komboté donc bazana bango inutile bango nde baza ko détruire Mboka. Je crois bien ambassadeur au bon Mboka oyo botika mboso kimia botika baati kimia ba défilé na bino le kimingi pour nous dire que la loi Tchani. Mais si jamais tu es dans un pays africain ou bien dans un pays moyen-indien, pour nous dire que la loi est dans un pays. Et tu es bisoté. Si tu as voté la loi de l'homosexualité, tu as légitimé, je ne sais pas, ma PD, homosexuel, ma balada, et qui n'a pas bisoté. On a un mot carabiné, qui n'a pas bisoté. Mais qu'est-ce qui se passe que vous n'êtes pas allé dans la Tunisie, Kuna, Oyo, des pères ou des mères. Il y a une cause à la présidente. Il y a une question de Bango. Azali a appelé à postuler. Mais vous venez ici au Congo pour déranger les ambassadeurs. On en a marre de vous. Laissez Mboso calme. Laissez Baati calme. Président Mboso, fais la volonté du peuple. Fais la volonté du peuple. Qu'on a un ambassadeur ou un athé. Dans le film à Mobutu, ambassadeur américain, déclare-moi ça là, et qui s'en remet à Misuna Okamawa. Je vais soutenir Maïle, général Maïle, parce que je vais mettre Katina Maïle pour qu'il affronte la côte. Mobutu à Longwa. Alors, si vous avez la dernière minute, je vais téléphoner à l'ambassadeur américain. Vous savez que non, le général Maïle vient de tirer sur lui, il est mort. Réaction de l'ambassadeur américain, ça n'a plus d'importance. Parce que after la sakuta qui déjà, à combien la porte il y a qui ça ça. Liwa ya Mayele, ambassadeur américain, ça n'a plus d'importance. Bon revoir film à Mobutu, ça n'a plus d'importance. Ah, Naoki Mawa. Ils se sont servis de ma, du général Mayele pour la bakote la qui ça ça, after la soit pouvoir, bah Rwanda bah soit pouvoir, Mobutu a kende. Et Mobutu oyo a servir Bango. Allez, ils ont le Noël passé à Dieu les saints. Mouto a servi Bango. Chez Neni Shingom, ton bazoke Sili Nango Soukali, Mouaka. Mouso Kosa, il a servi Mindelete. Président Fatih, c'est pélé sa peuple. La loi Tchani, il faut les caper, les Congolais, ceux qui loi Tchani et les quitter. Donc on l'a dans le palais du peuple. Donc on l'a dans le palais du peuple. Ceux qui vont aligner loi Tchani, t'es ton là. Et on verra. Entre le 50% et le 100%, c'est-à-dire des pères et des mères, n'a pas trop tenu loi de Tchani, banani basé mêlé. Et on verra. Qui dit la loi en démocratie? Qui dit la démocratie elle-même? C'est un pouvoir de peuple. Par le peuple pour le peuple. Et ce peuple-là, c'est qui? C'est la majorité. Quand la majorité opte pour une voix, mais c'est celle qui sera adoptée. On ne peut pas voter la loi de la minorité. Tous allés 20. 7 personnes, baza contre. Et les restes, 13, baza pour. Toko voté, toko dit, il y a 7. Toti qui a 13. Mousso, moussa la volonté à peuple. Ma ambassade, moutika, qu'on défilait, pas y'a mousso. Moutika. Moi, je suis combattant. Esprit. État d'esprit dans les combats. Vous risquez. T'as là, ambassadeur français Koufara na Kina, ouais. Bam, assassin. Adaï. Ou y'a Italie Koufara Kuna na Nim. Na Est, Kuna, hein. Mokine Baloukate. Toye batte na Yaboumaye. Ça dit que le peuple, ma biba tomboka. Ah ouais. Et l'homme, il a changé sa tête. Au Kepe. Au Kivu Mokéi.